en janvier, le 29 exactement. Le 1 janvier, le 1er janvier. Il n'oubliera jamais ses amis et la famille de Chérif Louazen et Hichem n'oublieront jamais son anniversaire, c'est clair. 1er janvier 1996. Allez, ce coup franc très éloigné, légèrement désaxé, mal repris par l'avant-centre Dahar que vous voyez ici. Et l'arbitre a même accordé un coup franc, je crois, pour la défense du Mouloudia Club d'Alger. Non, le jeu est repris sous la forme d'un 5m50. Alors le MC Alger, 8 rencontres sans victoire, 9 défaites depuis l'entame du cycle retour. C'est beaucoup hein, pour le MC Alger. Il a également à son compte 6 nuls, y compris celui face à l'USM Alger. Et ce type de nul, évidemment, les puristes et les téléspectateurs adoraient, avec un 2-2 tonitruant, avec un très très beau spectacle. Mais pour la comptabilité du doyen, ce n'est pas et ce n'est guère réjouissant. Et la preuve sur le classement général, il y a, je le répète, des risques sur le plan mathématique. Le MCA qui totalise que 33 points en même temps que le CS Constantine à 4 marches devant l'USM Blida et le RC Relizan qui se serre sur le fauteuil du troisième relégable. L'un d'eux finira évidemment par s'en extirper. Relizan qui recevra le samedi prochain dans 3 jours la JS Saoura à domicile avec une fin de saison. Regardez ce coup franc qui a manqué de concentration dans la récupération. Le coup franc a été tiré sur le deuxième poteau par Beradja. Et c'est toujours Daher qui rate les remises et les déviations. 3 minutes pour la fin de cette première manche qui ne nous aura pas vraiment fait plaisir. Et le MCA s'offre un deuxième corner contre un seul, je crois, encore pour le Mouloudia d'Oran. Deuxième corner sur la droite du flanc algérois. Le tireur Beradja avec une bonne reprise qui était puissante mais trop élevée. Et la reprise était signée de Azi. Regardez. Azi s'est essayé, il a même bousculé ses copains et ses adversaires. Et l'arbitre a donné d'ailleurs lui un coup franc. Allez, Pugnet. Alors, 1 minute encore à jouer de temps additionnel. Le score de 0 à 0 reflète parfaitement la physionomie d'une partie loin d'être très technique. Encore une fois, sans amplitude offensive, manque de démarquage, d'organisation au milieu du terrain, d'intelligence technique. Il n'existe aucun joueur de volte-face, de fulgurance dans ces deux formations. Le MCA les a gardés en grande sécurité pour la fête du 2 mai.